qu'est-ce qu'elle dessine? Ouais, je veux un burger. Un burger? Mais ce n'est pas un aliment très sain. Un burger? D'accord, le challenge est accepté. Un burger? Excellent! Bon, je vais prendre la viande. Ouais, je vais faire tout ça très vite. Et ouais, les tomates. Bon, je vais bien couper tout ça. Ouais, bon, quelque chose ne s'est pas bien passé. D'accord, mettons la tomate sur le pain. Et maintenant, le fromage. Je vais me passer d'un couteau. C'est comme ça que je vais le faire. Excellent! Ouais! Oh, ma viande est en feu! Oh non, ça fait mal! Ouais. Bon, les gants, c'est juste ce qu'il faut. Maintenant, je vais mettre la viande sur le pain. Et voilà. Oh, c'est fait. Je vais juste mettre une autre partie du pain. Ouais, parfait. Oh, mais pas vraiment. Bon, d'accord, du pain, de la viande. Bon, je vais m'en passer. Ouais, je sais ce que ma petite fille a besoin. Ouais, c'est une pomme. C'est juste ce qu'il faut. Du kiwi, des fraises. Maintenant, je vais mettre tout ça. Et ça va être un burger aux fruits super nutritif. Ça a l'air super. Bon, le chef commence à cuisiner. Je vais faire le meilleur burger du monde. Tous les ingrédients sont en place. Ça sent bon, ça. Bien sûr, d'abord les oignons, puis le fromage et la salade. Ouais, juste ce qu'il faut. Bien sûr, la viande. Et encore une couche, des carottes, la sauce. Et voilà! Le super burger est prêt. Oh, je suis toujours mieux. Enfin, maintenant, je vais choisir le meilleur burger. Celui-ci a l'air horrible. Non, mais vraiment horrible. Je ne mangerai pas ça. Je vais tout jeter. Voyons voir ce burger-là. Ça a l'air mignon. Oh, ouais! Pas mal. Vraiment pas mal. J'adore les fruits. Super bon. Oh, waouh, quel bon burger! Il est tellement grand. Je vais l'essayer. Miam. Ça a encore meilleur goût. Ouais, génial. Celui-là, j'ai choisi celui-là. J'adore ce burger-là. Oh ouais, je savais que je gagnerais. Oh, non, mais pas vraiment. Oh, je veux de la limonade. De la limonade, hein? C'est facile. Allons-y. Ouais. Allons-y, on va bien le faire. Je vais ajouter des sucres. Je vais ajouter quelque chose de super cool dans un pot vert, comme du miel. Voyons, c'est parfait. Maintenant, je vais travailler un peu avec la glace. Regardez. Ouais, j'adore. La glace de première classe. Et c'est prêt. Je vais verser tout ça directement dans le verre. Et doucement. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est chef. Bon, elle est où, là, mes citrons? Je vais presser le jus dans l'eau. Oh, waouh, ça a l'air bien. Goûtons. Oh, comme c'est aigre. Ouais, horrible. Il est urgent d'ajouter du sucre. C'est mieux comme ça. Génial. Bon, peut-être je vais ajouter encore. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, encore. Bon, n'importe quoi. Oh, une idée! Je vais mettre tout ça dans un mélangeur. Et je vais ajouter des M&M's. Des délicieuses boules de chocolat et une glace appétissante. Et en plus, je vais ajouter du lait. Et maintenant, je vais tout mélanger. Ouais, génial! Je vais verser tout ce que j'ai
Et la touche finale, c'est une paille. Regarde, mamie. Oh, cher garçon, bois-le toi-même. Voici une vraie limonade. Oh, c'est de la limonade, ça? N'importe quoi. À la touche finale, ce sont les baies. Ouais. Et les fraises, il faut pas les oublier. Je vais tout verser ici. Je vais mélanger le tout. Et ouais. Comme ça. On va tout ajouter à notre verre. Quelle beauté! C'est génial! Voilà, Kate. Choisis. Oh, c'est tellement intéressant et coloré! Je vais commencer par ça. C'est tellement beau! Oh ouais, tellement appétissant! Génial! Qu'est-ce qu'on a là? Essayons. C'est tellement aigre! Non, n'importe quoi! C'est quoi ça? Bizarre. Je vais quand même essayer. Oh! Waouh! Comme c'est bon ça! J'ai choisi ce cocktail-là! Ouais! J'ai gagné! Yay! Bien joué, bébé! Oh, merci! Qu'est-ce qu'il y a? Je veux des chips, moi! Ouais! Des chips? Facile! Je sais quoi faire! Ouais! Les pommes de terre! Excellent! Oh, je peux faire mieux, moi! Regarde et apprends! Voilà! Je prends le couteau. C'est comme ça. Regarde combien de pommes de terre j'ai, hein? Oh là là, je vais accélérer. Oh, qu'est-ce que je dois faire avec les pommes de terre, moi? Bon, je vais quand même bien essayer. Ouais, excellent, c'est fait! Hé, hey, n'importe quoi, regarde combien de pommes de terre j'ai. Regarde, tu fais comme ça. Juste comme ça. Et tu le mets au four. Oh, elle a l'air contente. Mais la victoire sera toujours pour moi. Allez, on prend les pommes de terre. On les verse ici. Ouais, c'est super, on les mélange. Et bien sûr, on les met dans les moules. Et bien sûr, l'avocat, on va pas l'oublier. On va bien le nettoyer. L'éplucher. Comme ça. Ouais, regardez. Et après, on l'ajoute au mélangeur. Bien sûr, le sel. Et il faut bien remuer. Ouais, comme ça. Je verse. Quelle odeur magnifique. Mes chips parfaits sont presque prêts. Ouais, et il faut juste ajouter un peu d'oignon. Ouais. Un peu de trucs verts, des persils. Ouais. Tu vas gagner avec tes chips. Ajoutons des trucs comme ça. Ouais, je sais quoi faire. Ça va être comme des toasts, mais des chips. Ouais, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, ça brûle. Oh non, ils sont noirs. Et bon, bah, ça ira. Et regardez, mes pommes de terre sont prêtes. Et c'est juste parfait. Et bien sûr, la sauce au milieu. Et encore une fois, elle a inventé quelque chose. Kate, choisis. Voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Ça a l'air bien. Et par là? Très mignon. Oh, c'est quoi cette horreur noire? Tête noire effrayante. N'importe quoi. Ouais. Bon, essayons cette pomme de terre. Miam. Miam. Génial. Cool. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est délicieux et très intéressant. Waouh. Super cool.
Je choisis ça, c'est super délicieux. Ouais, comme je l'ai dit, j'ai gagné. C'est fait. Je veux de la gelée comme ça. De la gelée? Je peux le faire. Prenons juste de la gélatine. On ajoute du sucre. Et bien sûr, de l'eau. On mélange le tout. Génial! Une bonne gelée doit être multiple, avec tous les parfums et toutes les couleurs. Ce moule est parfait. Versons la première couche. Et dans ma gelée, je vais ajouter la confiture de fraises maison. Oui. Je remue le tout. Et maintenant, j'ai besoin de quelque chose dans mon sac à main. Des prothèses dentaires? Non. Du tricot? Non aussi. Ah. Voilà mon moule. C'est là que je versais ma gelée. Oh, je vais éternuer à pied. Oh, mes lunettes. Je ne vois rien du tout. Bon, je vais mettre la gelée au frigo et la chercher. Oh, c'est tellement chaud. Maintenant, c'est trop froid. Oh non! C'est tellement humide. De la gélatine? Eh bien non. Mieux vaut de la marmelade. Et monsieur l'ours? T'as mangé, mon ami? Désolé, monsieur l'ours. Je vais vous mettre sur une assiette. Et je vais en goûter un. Même si je ne préfère pas. Un petit peu ici, un petit peu par là et par là. Beaucoup plus. Quelque chose. C'est vrai. Les fraises feraient un excellent ajout à mon cube de marmelade. On tire? Oh, ça a bien marché. Et maintenant, les autres couches. Magnifique. Il ne reste plus qu'à décorer. Les fraises sont super. Et maintenant, ces délicieuses crèmes. Comme c'est beau! Ouais. Et encore quelques fraises. Génial. Oh, je crois que mamie est là. Mamie, attends. Voilà tes lunettes. Ça va? Oh, merci, Ben. T'es un si beau garçon. Oh, c'est quoi cette plante? Oh, oui, vous avez tellement bien fait. Alors, Paige. Oh, wow! Tellement de gelée, par où commencer? Je vais commencer par le cube. J'adore ces oursons en gelée. Oh, je vais prendre tout le cube d'un coup. Oh, ils sont tombés en morceaux. Et le cube est vide. Ce n'est pas bon. Essayons de la gelée de mamie. Oh, c'est si rebondissante. Je vais utiliser une fourchette. Oh, j'arrive même pas à traverser. Je vais essayer avec les mains. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Non mais mamie, ce sont tes lunettes! Oh. Bon. Gâteau à la gelée, c'est ton tour. C'est une drôle de façon de le secouer. Essayons l'eau. Oh, la gelée! Les fraises et la crème vont si bien ensemble! Tina, t'as gagné? J'en veux encore. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, je veux de la glace. Vous pouvez y arriver? Bien sûr. Du lait? Non. J'ai besoin des ingrédients les plus frais. Bonjour, madame la vache. Merci pour le lait frais. Maintenant, je vais mélanger ce lait et ce sucre dans mon mixeur professionnel. Puis, je vais tout verser dans le moule.
et mettre des bâtonnets. Puis je mets les moules dans ce bol. Et je sors quelque chose de ma petite valise. Oh oui. L'azote liquide va congeler la crème glacée en rien de temps. Oh, Tina, tu compliques encore les choses. Regarde et apprends. Mettons la glace de côté et pendant ce temps, faisons des gaufres avec du lait, de la farine et du sucre et des œufs. Nous versons la pâte dans le gaufrier. Voilà. Attendons un peu. Et pendant que la gaufre est encore chaude, on en fait un cône avec un truc comme ça, avec ce moule. Parfait. Et maintenant, je vais amener tout ça dans le réfrigérateur. Il ne reste plus qu'à attendre un peu. Du lait? Trop compliqué. Oh, j'ai une idée. Je vais prendre un Sprite. Et y mettre un bâtonnet. Maintenant, je vais juste le congeler dans le réfrigérateur. Mamie, t'es endormie ou quoi? Quoi? Oui, merci de me réveiller, Ben. Ma glace est faite. Je vais congeler la mienne. Oh, c'est juste parfait. Oh, c'est pas parfait du tout, hein. Non, mais... Pendant que mamie dit n'importe quoi, je vais juste faire comme ça. Et ajouter de la décoration. Et j'en ai beaucoup. Non, mais... Je sais ce que Paige va aimer. Je vais faire quelque chose de très bon. Ouah. C'est vraiment très bon. Ben, tu veux goûter? Désolée, mamie, je suis occupée. Je peux pas la voir. Je n'avais pas pensé à cela. Bien que, j'ai simplement scié la bouteille avec une ronçonneuse. On se débarrassera de l'excédent, ma glace sera prête. Cool. Serre-toi, Paige. Waouh, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lourd. Oh, ça a l'air pas mal. Oups. Non, mais c'est tombé. Oups. Une très grosse portion. Oh, c'est tellement mignon. Je sais pas quoi choisir. Peut-être le petit cochon. Oh, génial. C'est super bon. Alors, mamie? Oh oui, c'est comme dans mon dessin. Waouh! Le goût est vraiment parfait! Mamie, t'as gagné! Oh oui! Non, oh, t'inquiète, Ben. Et maintenant, je veux des marshmallows. Il est mignon, n'est-ce pas? Oh, c'est quelque chose d'incompréhensible. Mais il y a forcément quelque chose dans mon livre de recettes. Oui, de la terre, des œufs. Je crois que j'ai besoin de chocolat. Et bien sûr, de la guimauve. Ouais, je vais mettre une première couche de chocolat et la recouvrir d'une couche de guimauve. Ouais, génial, un paquet entier. Et maintenant, j'ai besoin du four. Oh non! Attrapez-moi, je tombe! Oh, waouh! Merci, Ben. Tu m'as sauvé ainsi que mon plat. Je ferai plus attention. Je mettrai le moule dans un four. Comme ça. Et maintenant, je vais attendre. Je vais m'occuper. Oh, c'est vrai. Je vais regarder ma télé préférée. Oh, tellement drôle. Mais qu'est-ce que je vais faire avec la guimauve? Oh, j'ai une idée. Je vais en faire un lapin. Je vais lui dessiner les yeux et la bouche. Juste parfait. Et moi, bien sûr, je vais tout faire moi-même. Je vais mélanger la gélatine avec du sucre et de l'eau. Et je vais bien tout fouetter.
c'est génial. Maintenant, je vais mettre tout ça dans une seringue et la verser à l'intérieur des tubes de ces pailles. Quelle couleur choisir? Le rouge après tout. Je vais l'ajouter au reste de la quimauve liquide et je vais tout remuer à nouveau. Oh oui, la couleur est juste bonne. J'ai maintenant utilisé la seringue à nouveau. Voilà ce que je vais faire. Alors regardez. C'est parfait. Des traces de marshmallow. Voilà. Je vais juste les coller. Oh, oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est tellement long. Wow. Tina est en train de tordre des guimauves pour en faire un escargot. Je pense que je vais... Hop! Non, il n'y a rien. Une spirale parfaite. Au fait, où est mamie? Tellement tragique, je peux plus regarder. Oh! Mes marshmallows sont prêts. Et il est temps de les apporter à Paige. Oh, quelle saveur! Waouh! Quel joli lapin! Quel gâteau intéressant! Et quelle spirale cool! Je vais commencer avec cette spirale. Tellement grande! C'est vraiment bon! Et maintenant, le gâteau de grand-mère! Waouh! C'est si moelleux! Oh oui! C'est aussi bien avec le chocolat! Mamie, c'est délicieux! Génial! Oh! Quel mignon lapin! Si petit, si délicieux! Oui, génial! Ben, t'as gagné! Oh oui, j'ai gagné! Tu ne peux pas résister à une telle beauté! Alors, premièrement, je veux ce gâteau-là! Comme sur le dessin! Oui, on va le faire. Le gâteau, bien sûr, je vais le faire. Désolé. Oui, le gâteau, je vais le faire. Je vais ajouter de la farine. Quelques œufs. Et bien sûr, je vais verser le lait. Et maintenant, je vais tout bien remuer. Oh, tellement beau! C'est vrai, Maggie! Non, mais pourquoi faire la pâte quand il y a des trucs déjà faits? Regarde! Non, mais c'est pas ce qu'il faut! Oh, du commerce, non, n'importe quoi! D'accord, peu importe. Pendant ce temps, mon batteur professionnel va me fouetter la pâte. Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, je vais le diviser en 5 parts égales. Et maintenant, il faut que j'ajoute des couleurs. Je vais mettre mes gants et donner un bon coup à pied dans la pâte. Oh oui! Maintenant, chaque gâteau sera unique. Bien sûr, mon gâteau sera unique aussi. Surtout avec du beurre de cacahuète. Je vais l'étaler sur le premier gâteau, sur la première couche, juste comme ça. Puis sur le deuxième... Après, je vais goûter. Comme c'est bon, ça! Après, je vais l'étaler sur la troisième couche. Oh, et Sophie va rien remarquer. J'ai tellement envie de lécher. Oh, oui, tellement bon. Maggie, qu'est-ce que tu fais? Non, tu dois pas faire comme ça. Regarde comment fait mamie. Oh, la confiture est fait maison. Je vais verser tout sur mon gâteau. Regarde comme c'est beau. Et maintenant, un peu de pâte pour la décoration. Oh, voilà. Juste ce qu'il faut. Génial.
Ouais, j'adore l'odeur. Maintenant, il faut mettre tout ça au four. Comme ça. Vas-y, reste ici. Et mamie va bien dormir. Voilà mes gâteaux. Il est temps de les assembler. Je vais mettre ma crème colorée sur chaque couche. Les couleurs seront sorties à celle des gâteaux. Donc, il y a la crème à l'extérieur. Maintenant, il faut tout laisser avec une spatule spéciale. Oh oui, ce gâteau sera la perfection même. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, je vais faire un arc-en-ciel sucré. Je vais mettre sur le gâteau. Et là, il y a un arc-en-ciel, il y a une licorne. Et j'aurai des nuages et des gueules sur les côtés. Je crois que je me suis surpassée. C'est la perfection. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, voilà le gâteau. Il est temps de le faire sortir. Oh, j'adore l'odeur. Il est prêt. Il est temps de le donner à Sophie. Poussez-vous. Mamie est là. Oh non! Ils ont de si beaux gâteaux et moi, j'en ai un vraiment moche. J'ai une idée. Je vais le décorer avec des bonbons. Ce sont des M&M, c'est beaucoup mieux. Sophie, serre-toi. Oh, waouh, il y a tellement de gâteaux. Par lequel commencer? 1, 2, 3, toi d'abord. Je vais l'essayer. C'est un peu sec. Je peux pas me passer de coca. Oh, désolé, Maggie. Wow, c'est le gâteau aux fraises de ma mamie. Oh, il est tellement bon. Oh, il est tellement beau. Mamie, je t'aime. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tellement envie de le goûter. Oh, wow. C'est un arc-en-ciel. Wow, tellement cool. J'adore ce licorne-là. Ouais. Et qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que le gâteau du chef. Oh oui, j'ai tout fait. Maintenant, je veux du pop-corn. Comme au cinéma. Quoi? Ah, oh ouais, du pop-corn. Et bien sûr, je vais le faire. Oh non. Non, mais bien sûr, j'ai besoin des grains de maïs. Et c'est ce que je vais faire. Et ouais, je vais mettre mes grands dedans. Et bien sûr, je vais utiliser l'huile. C'est l'huile d'olive. Je vais mettre tout ici, juste comme ça. Et bien sûr, je vais ajouter du colorant. Ouais, ça va être vraiment unique. Ça ici, ça ici. Et bien sûr, le bleu roller à gaz. Ouais. Préparez-vous. Je pense que ça suffit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tellement brillant ce popcorn. Alors, mamie, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, comme vous voulez. Ouais, n'importe quoi, c'est chef. Pour moi, tout va être naturel. Il suffit de me rattraper les grands avec mon nouveau gadget. C'est fait. Voilà, maintenant un peu de beurre dans la poêle. Ouais, je vais en mettre plus. Bien sûr, le maïs. Et je vais ajouter du sucre. Parce que Sophie adore le sucre, ouais. Et maintenant, je vais bien attendre. Je pense que ça marche. J'ai tellement peur de ces bruits. C'est fait. J'adore l'odeur. C'est le temps des haribots. Voilà l'ingrédient secret. Je vais bien les mâcher. Ouais, ça va faire la pâte de marshmallow. Et maintenant, je vais mettre du pop-corn. Je vais bien tout remuer. Et voilà une boule de pop-corn. Ou plutôt 5 boules de couleurs différentes. Alors, il est temps de verser le pop-corn dans un bol.
Oh, c'est tellement beau. Oh, Sam, est-ce que c'est du pop-corn, là? Eh, tiens. Eh ben. Non, mais comme des enfants. Bien sûr, moi, j'ai du pop-corn. Cool. Je le mets ici. Et voilà. Juste ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ça, cette odeur? Oh, non. Quoi? L'odeur? Oh, non. Oh, je crois que ça va... Non, par terre. Maggie, non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? N'importe quoi. C'était du pop-corn. Il faut vite nettoyer tout ça. Est-ce qu'il reste quelque chose? Quoi? Juste un seul truc. Désolée, Sophie. Oh, je crois que t'es au régime aujourd'hui. Waouh, ça fait beaucoup de pop-corn. C'est quoi cette odeur? Bah, qu'est-ce que c'est? C'est un truc, c'est brûlé. Bah. Et voilà, ça, c'est le vrai pop-corn. Oh, c'est doux, ça. Oui, tu sais tout, grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'étire. Ça a l'air super. Ouais, c'est tellement bon. Incroyable. Ce pop-corn mérite vraiment de gagner. Ouais, un point de plus, je suis le meilleur.